Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale, donc regardez un peu ces coffres à ouvrir, c'est pas mignon tout ça. Alors juste avant, regardez, je suis à 975, c'est énormissime. Voilà, donc du coup, alors ça je sais pas comment je l'ai chopé, hein, mais bon je l'ai chopé. Et regardez ce que j'ai chopé dans un coffre gratuit comme ça. Enfin, de toute façon, les épiques, je les ai que dans les coffres gratuits, hein. Il n'y a que ça où j'ai des épiques, sinon j'en ai jamais, c'est un truc de ouf. Donc j'ai chopé le prince quand même dans les coffres gratuits, donc c'est plutôt énorme. Si je veux, je peux l'améliorer, mais bon, pour l'instant, je m'améliore pas parce que j'en ai pas besoin. Et puis voilà, donc du coup, ouais, j'ai aussi réussi à choper des cochons, donc ici. J'ai réussi à acheter des cochons. Et du coup, je les ai améliorés niveau 3, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut servir. Voilà, donc du coup, maintenant, on va se focaliser sur lui. Qui est à 50 XP si jamais on l'augmente. Et vu que je l'utilise, autant l'augmenter. Donc ça fait 12 points de vie. C'est plutôt énorme. 8 dégâts en plus. Donc par seconde et par... ouais, c'est même bizarre que ça soit la même chose. Mais enfin bon, voilà, ça doit être 7,2, hein, un truc dans le genre. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'est plutôt énorme. C'est plutôt pas mal parce qu'ils sont 3. Donc tu fais ça x 3. Ça fait pas mal de dégâts en plus. 24 pour être précis. Bon alors, du coup. Voilà. Et puis, bah c'est nickel. Voilà. On est à plus de 1000 XP. Et on est augmenté niveau 7. Ça va un peu nous déstabiliser parce qu'on est vraiment au début du niveau 7. Du coup, on va rencontrer des niveaux 7. Et du coup, on va se faire un peu défoncer. Mais voilà quoi. C'est comme ça. Hein. C'est le début du game. Voilà. Donc, du coup, on a quand même nos troupes niveau 7. C'est plutôt pas mal. J'aimerais bien améliorer le mousquetaire quand même. Voilà, pourquoi pas le dragon aussi. Ça peut être pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va ouvrir des coffres. Donc on est niveau 7, franchement, je suis content. Enfin, voilà, donc du coup, on a 41 d'or. C'est plutôt pas mal, on a 2 squelettes, ils auraient pu nous en donner plus quand même. La horde de gargouilles, je l'utilise toujours pas. 44 d'or, quand même. Ah, toujours pas mon petit. Ah, un cochon, ça fait toujours plaisir. Alors... 44 d'or, dit, oh, ils sont synchro là. 3 gobelins à lance. 3 barbares. Ok. Je fais que donner des barbares à chaque fois. Donc. Du coup, à chaque fois, je peux les améliorer, mais je peux plus. Mais je peux, mais je peux plus. 49 d'or, bah c'est pas mal, dis donc. 5 ordres, mais je m'en fous. Le géant, bon, allez, pourquoi pas, ça passe. Allez, calme-toi, calme-toi. Voilà, petit appel rejeté. Bah, c'est pas grave, hein, je rappelle. Voilà, donc. Une tour de l'enfer, oui, voilà. Donc, bon, la horde de gargouilles que j'utilise toujours pas. Hein, ils sont un peu chiants avec ça, mais bon. Ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. 155 d'or, c'est plutôt pas mal. 4 gargouilles. Oui, ça peut servir, effectivement. Putain, mais je m'en fous. Eh, franchement, un truc de ouf. Tu peux pas leur dire, là, casse-toi. donc, 10 chevaliers, c'est plutôt pas mal. Et 2 chevaucheurs de cochons, c'est énorme. Franchement, pas mal. Si je peux les améliorer niveau 4, ça pourrait être vraiment... Super fun. Bon bah dès que je peux acheter des mousquetaires ici, mais dès que je peux acheter des mousquetaires ici, je les j'achèterai bien entendu. Voilà donc du coup, il se marre un peu. Tu sais. Oh j'ai créé en couleur. Enfin bon, on s'en fout. Voilà. Attends juste, il y a quoi à donner là-haut? Je l'avais pas vu tiens. D'accord. Ah ouais, j'en avais plus, c'est pour ça. Bon bah c'est pas grave. Hein. On sacrifie pour le bien de la communauté. Voilà donc du coup bah enfin, je vais attaquer. On va prendre le meilleur comme d'habitude. Et je vous dis à tout de suite pour attaquer et puis après ouvrir le coffre à couronne. Voilà. Ah, ça va, je suis tombé contre un niveau 6. Bon, toujours prêt à se faire défoncer. Mais bon, ça, c'est un niveau 6, du coup, ça passe bien. Bon, ce qu'on va faire, on va lancer notre petite troupe. Ouais, on va faire ça peut-être. Ok. Ce qu'on va faire, bien entendu, vu qu'on n'est pas con, on fait ça. Voilà, allez, allez, détruis-moi ça. Nickel, voilà. Donc du coup, jusqu'ici, plutôt pas mal. Bon, c'est bien fait défoncer, c'est sûr, mais pas de soucis, t'inquiète pas. On va rattraper le tir, juste en attendant. On a fait un peu de la merde, j'avoue. Mais il faut dire aussi, on n'avait pas les troupes qu'il fallait dès le début, quoi. J'aurais peut-être dû attendre de défendre le truc. Ouais, c'est un peu dommage, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va... quand même réussir, n'est-ce pas? Ok, nickel. Allez, vas-y, voilà. Boum. Putain,
Putain, bon, il va détruire une tour, dommage. Bon, c'est pas très très grave. Mais ça nous handicape beaucoup parce que nous, on lui a pas fait beaucoup de dégâts. Bon, on va essayer de rattraper, c'est pas grave. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a pas grand chose. Allez, allez, voilà, nickel. Voilà, donc comme ça, on va peut-être... Quoi, c'est tout ? C'est quoi ces vieux dégâts qu'on lui a fait, là ? C'était vraiment des dégâts de merde. Hein. On lui a fait des dégâts, mais c'était pourri. Mais un point de ouf, quoi. C'était vraiment pourri de chez pourri. Allez, voilà, détruit tout ça. Parfait. Non, putain, mais oh, mais t'es sérieux ? Mais ils sont pas si puissants que ça, non plus. Il faut pas que j'agère. Je veux bien qu'ils soient je sais pas combien, mais... Allez, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Si on se concentre, voilà, donc hop, on envoie pourquoi pas les petits squelettes. Voilà, on envoie ça derrière. J'ai dit on envoie ça derrière, merci. On envoie ça aussi. On envoie le dragon aussi. Voilà, on envoie ça. Donc jusque là, tout va bien. On protège bien notre habitat. Et bah voilà, nickel. Donc hop, on envoie ça avec. Voilà, on est en train de changer la situation, c'est pas mal. On est en train de progresser petit à petit. Voilà, on va tout niquer. Là, je suis bien content. Là, je suis content parce que du coup, ça me permet de pouvoir bien attaquer. Et du coup, de progresser petit à petit. Oh, franchement, là, on est pas mal. On est vraiment pas mal avec mon bombardier qui fait très mal au... Ok, on est nickel. Regardez, il y a deux mousquetaires, les gars. Deux mousquetaires. C'est énormissime. C'est un truc de ouf. Donc c'est plutôt pas mal là ce qu'on fait. Franchement, là on va avoir égalité, mais je vais le niquer. Donc ça va être plutôt pas mal. Ça va être plutôt GG. Ok, donc on va attendre un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Vas-y, arrête de bugger s'il te plaît là, je vais perdre sinon. Et ça va pas le faire. Voilà, donc du coup, on fait ça. On fait ça, merci. De bien vouloir fonctionner pour une fois dans ta vie. Voilà, donc du coup on envoie tout ça, c'est parti, on y va, on attaque. On est là, on est chaud patate. On est chez père. Vas-y. Ok, nickel. Nickel, envoie-moi tout ça. On va envoyer un deuxième mousquetaire. Voilà. Là on est bien, on envoie ça parce qu'il va envoyer ses barbares, je parie. On a deux bombardiers avec nous. Deux mousquetaires, c'est énormissime les gars, putain, on a fait un truc de ouf, on a fait un super combat sa mère, c'est un truc de fou, c'est énorme, donc coffre argent, ça c'est fait, et puis voilà, donc du coup il nous manque encore quelques étoiles, enfin quelques couronnes, donc du coup on va voir ça par la suite. Ok, donc ce qu'on va faire... On va attendre un peu, on va mettre le chevalier ici. Putain. Et j'ai beau lui avoir mis 3 gigas de RAM, il bug, mais alors, mais toujours autant. C'est un truc de fou. Donc on va mettre un peu de bombardier. Et derrière, on va poser notre mousquetaire, ce qui va bien servir au niveau de l'attaque. Allez, c'est parti, voilà, donc on a plutôt bien attaqué, je trouve. Voilà, donc hop. Oh, putain, le bombardier qui a pas eu le temps de faire de dégâts aux barbares, putain, c'est extrêmement dommage. Dommage, dommage, dommage. Ce qu'on va faire, on va mettre les gobelins à lance ici. On va attendre un peu qu'ils se fassent niquer. Ok, donc ce qu'on va faire, on va mettre eux là. Allez, allez les gobelins. Oui, les gobelins qui sont arrivés à temps. C'est magnifiquement trop bien calculé. On va mettre un peu de bombardier, voilà. Histoire de défendre un minimum. Et on va mettre... Pour l'instant, on va peut-être rien mettre du coup. Allez, oui, il y a peut-être moyen. Oui, voilà, nickel. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, voilà. Ça, c'est bon, on a niqué sa sorcière. Ça nous aide à pouvoir... Du coup derrière attaquer magnifiquement bien. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer, on va rien envoyer du tout pour l'instant. On va attendre un petit peu. On va envoyer le dragon. Voilà, donc là on est bien. On envoie le mousquetaire. Voilà, donc des fois d'attendre, c'est une très bonne technique d'attaque, hein, ou même de défense, suivant comment ça se passe. Voilà, donc du coup on envoie toutes les troupes. On va essayer de faire un peu une troupe de masse si possible. Voilà. Là, on va envoyer les... Non, on va pas envoyer les gobelins. On va envoyer ça. On va... En... Allez. Bon, non, on va attendre. On va envoyer ça. Voilà, on va envoyer le bébé dragon. Voilà, donc ça, c'est fait. Ce qu'on va faire...
On va envoyer ça. On va envoyer le bombardier. Allez, on va le bombardier là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc là, pour l'instant, on peut rien faire. Franchement, on attaque petit à petit, mais on peut rien faire. Oui, il a réussi à envoyer deux bombes. C'est énorme. C'est énorme. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc on envoie ça. On envoie les petits squelettes. Voilà, nickel, on envoie le dragon, le petit bombardier qui fait bien mal, le chevalier, et puis voilà, donc voilà, on va essayer d'envoyer un peu toutes les troupes. Voilà, donc là il agglutine nos troupes, ce qui est extrêmement pas mal. Ça peut nous servir si on se combat bien. Ça peut servir, allez, on peut y arriver les gars, on peut y arriver, on y croit. On est à peu près au même point de vie et c'est bon, on a gagné. Putain, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire le 3 étoiles? Est-ce qu'il y a moyen de faire le 3 étoiles? Je crains que oui. Oh, il est sympa. Oh non? Ah non, il est pas sympa. Ok, mais on a réussi à faire 3 étoiles. C'est extrêmement super génial, les gars. On a réussi. Oui, bon, c'est bon, t'es pas content. Voilà, c'est pas de ma faute. Enfin, si, c'est de ma faute. Mais voilà, voilà. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, on va ouvrir le coffre. Alors, j'ai beau avoir mis les 3 gigas de RAM, hein, il bug quand même un peu, donc ça doit venir d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'en même temps je suis en train de tourner une vidéo, mais bon voilà, enfin c'est un peu con, c'est dommage, c'est dommage. Alors, à mon avis, je pense que ça doit plus venir de ma carte graphique qui est extrêmement pourrie, malgré que ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, mais enfin je fais quand même tourner de bons jeux dessus, mais ouais, je sais pas. Donc du coup voilà, on va ouvrir le coffre à couronne. Et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Alors en espérant qu'on ait encore des cochons, putain, ça serait pas mal. Franchement, on a eu 3 cochons là dans cette ouverture de pack. Ok, on a eu que 2 hordes, du coup au moins on n'en aura pas plus. 8 Tesla. Ah, j'utilise pas malheureusement mon petit chevalier. 8 chevaliers, c'est plutôt pas mal. Et voyons si on n'a pas autre chose. 2 cabanes de gobelins. Ok, bon, j'utilise pas. Mais c'est plutôt pas mal. Ok, ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, donc voilà, donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous dis à jamais, parce que malheureusement je prévois de mourir demain. Ah ouais, mais bon, ça arrive, c'est comme ça des fois, voilà, c'est ça arrive, ça, c'est la vie, c'est... Non mais voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, bon, on est plutôt pas mal. En espérant augmenter un peu des troupes niveau 8, ça peut être pas mal, hein. Donc on va économiser pour ça, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis voilà, on verra bien ce que ça peut donner tout ça. Voilà, donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis ciao. Ah bah oui, je vous dis ciao tout simplement. Putain, j'ai cru que je disais autre chose, mais pas du tout. Allez, ciao tout le monde. Ciao.